Eh bien c'est bon, hein? C'est qu'on a fait nos deux missions et qu'on va pouvoir passer au final. Donc là, on va rentrer dans le tunnel. Oh, c'est beau. Oh, je suis impatient. J'ai hâte. J'ai hâte de rentrer dans le tunnel là. Qu'est-ce qui va se passer? Get it, deliver, and then we kick back and count them racks. Keep me on speaker. Let me get Kay in here. Then once you inside, keep going up. C'est bon. Je suis devant. Je rentre. Je rentre. Attention. Got it. Over there. Bon. Il y a des mecs. C'est pas bon. Normalement, il était censé y avoir personne à cette heure-ci, mais... Putain. D'accord, ouais, bah ouais, mais putain, je pensais que tu pouvais y passer. D'accord, en fait, les mecs me tirent. Ok. Donc en fait, quand t'arrives, faut tirer direct. Bah, ça explose un jour ou... Ok, d'accord, je pensais que ça allait jamais exploser, mais... Mais en fait, je pensais qu'on pouvait aller... au bout de la pièce quoi, au moins. Sans se faire repérer, mais non. En même temps, avec la tenue que j'ai, ils se sont dit, mais c'est qui ce mec? Bon. Après, c'est quand même tendu. Hein. Les mecs sont chauds. Ah, je sors, enfin, si je reste à couvert, à découvert, pardon, trop longtemps, les mecs me tuent. Donc, je vais envoyer un C4. Parce que là, le mec là-bas, j'arrive pas à tuer. Je crois qu'il est mort. Ah, mais t'inquiète, je t'ai vu, mec. Et ça sert à rien de hurler parce que tu vas crever quand même. Allez, il en reste encore un. À qui le tour? Il fait C4 par là. Je crois qu'il est mort aussi. Ah mais c'est qu'il y en a d'autres ici, putain, mais ils veulent tous courir. Ils veulent tous mourir. Regarde, t'as pas vu tes potes mourir? Allez, encore. Bon bah, je vais me calmer un peu parce que je vais crever aussi, donc oh putain. Et là j'ai peur là. J'ai peur de me faire tuer, donc je vais y aller au C4. Oh, un petit C4. Encore. Sinon je tire un peu, je me remets à couvert, à couvert, ouais. Je tire à couvert. Ah là, je peux mourir très très vite, donc putain. Après, je sais pas où je dois aller. C'est que le début, donc franchement, je suis déjà mort une fois. Je vais essayer de lui toucher les jambes pour qu'il tombe. Des fois, ça marche. Enfin, souvent, ça marche. Et après, quand il tombe, et ben là. Là il meurt. Ah putain, c'est qu'il a voulu m'avoir. Il faut que je fasse gaffe à droite, il y a d'autres mecs. Bon, lui c'est bon. Et là il y en a d'autres. Putain, j'ai plus de vie là. Bon. On y va quand même. On est fou. Oh putain, putain, putain. Laisse-moi le temps un peu de reprendre un peu de vie quand même. Ok, on va avancer tout doucement. Parce que là... Ah ouais, d'accord. Alors, les mecs, ils arrivent assez vite quand même. Putain. Ah mais on se croirait dans... Non, je sais pas... On se croirait, comment dire, à l'armée, en fait. Ah, c'est... T'avances tout doux. Ah, faut pas se précipiter là. À plusieurs, à la limite. Bon, et là, tout seul, là, c'est chaud. Non, mais ça va. Ça va, ça va, ça marche. Oh, attends, attends. Oh putain. Ouais. Je sais pas comment il a fait pour pas me tuer parce que là, j'ai plus rien là. Bon. C'est bon. Alors. Ok, on va où là?
Hey, what's going on out there? And who the fuck are you, you little bitch? Je rêve. Le mec, il a les pieds sur la table. C'est quoi ça? Who you calling your mama? Put that shit away. What up? Put me on the motherfucking speaker. Recognize this voice, motherfucker? Shit. Kenny. What'd it do? Didn't think I'd find your motherfucking ass in here, did you? I swear, I was gonna call you. Slap the shit out of this ass, nigga. Let him know where the fuck we coming from. Oh, putain. Oh merde. Oh merde, le nez. You gonna lie to me again? Lucky is my dog in your face and not me. What you need to know? Show him where the recipe is and be quick about it, motherfucker. I said be quick about it, motherfucker. Eh ben. I'm giving it over. Quel scénario? Sorry, Holmes. Little bitch. All right, you got it. Now look at that motherfucker. Make sure he never forgets your face and get the fuck out of there. Boo. Ah, c'était marrant. Ouais, enfin bon, le pauvre quand même. Je pense pas que son nez méritait de saigner. Enfin, j'en sais rien. Non, si. En vrai, si on est venu là, c'est que c'était du sérieux. Hein? Franchement, on aurait pu venir pour pire. Hein. Parce que franchement, juste pour un nez. Bon, après, y a pas que ça non plus, mais. Le mec, il a signé juste pas. Il a signé un truc quand même. On a. Oh merde, je suis mort. On a eu ce qu'on voulait, quoi. Ah non ! Il faut sortir. J'espère qu'il c'est pas un. Un coup monté là. Et qu'ils vont me laisser là, quoi. Parce que bon. Eux, ils ont eu ce qu'ils voulaient. Mais maintenant, moi, j'aimerais sortir. Là, il y a des mecs partout, donc. Bon, à l'entrée ça va, mais pour sortir maintenant, comment je fais, quoi? Putain, j'aime pas cet endroit en plus. Ah là là. À la sortie, c'est horrible. Si je passe, je me fais tirer dessus. Si je reste là, j'arrive pas à les tuer, donc. Ah si. Ah, mais c'est super chaud. J'ai pas d'angle de visée là. J'ai pas l'angle qu'il faut pour pouvoir les viser et. Vas-y, C4. Hein. C4. Hein. Faut nettoyer un peu un peu la zone quoi, un minimum. Parce que là. Là, je suis mort là. Allez, c'est bon, on avance. Allez, ça va le faire, ça va le faire. Bon, ils sont où là, les mecs? Je vais aller à gauche. Je vais avancer comme ça, petit à petit. Mais j'attends qu'il se relève. Il est mort, c'est bon. Bon, ça se nettoie, hein, petit à petit quand même. Attends, il est où là? Il est où? Il y a un mec à droite là. Ah, lui je vais l'avoir lui. Lui c'est bon, il m'embêtera plus. Oh putain. Heureusement qu'il y a le poteau qui me protège. Voilà. Il reste combien de mecs là? Il reste 1, 2. Non. Ah, c'est pas loin hein, à chaque fois. Je suis pas loin de la mort à chaque fois. Putain, j'ai réussi à sortir. D'accord. Ils sont obligés de foutre plein de. Non, j'aurais dû foutre le véhicule juste devant, mais bon, ça je savais pas. Hein. Donc là, je fuis. Et là, après la fuite, c'est bon, on a terminé. On a fait le plus dur là. Ah, et maintenant je dois fouiller un tas de sable qui a été remué récemment. Donc là j'en vois plein, c'est pas évident. Bon, une heure plus tard. Où est-ce qu'il est ce putain de tas de sable?
Je tire parce que franchement, je sais pas comment. Je sais pas où c'est. Ah! Eh ben, il y a une pelle. C'est bon, j'ai trouvé une pelle. Putain, une heure après. Oh, sérieux. Putain, yes! Donc là, j'ai volé la recette. Qui était enterrée. Bah, cool. Bah, maintenant, je me casse. Parce que de toute façon, hey, j'ai plus rien à faire ici. Hop là. His mama. J'ai la recette. Mais quand même, le mec. Enfin, je sais pas, faut être con quand même. Il a enterré un. Il a enterré du fric. Il a laissé la pelle quand même. Il a laissé une pelle. Quand tu fais un trou. Et que tu le. Enfin, t'enterres quelque chose. Tu laisses pas la pelle. Enfin. À moins que ça soit chez toi, mais. Mais pas là, en plein milieu. De nulle part. Pas de merci, non? Putain, le mec. Bon. Bah, ça va, hein. Ça fait de l'argent. 163 000, ça va. Ça paye super bien, franchement. Ça paye bien. C'est cool, c'est marrant à faire. Il en reste d'autres, d'ailleurs. Donc, la suite, plus tard. Abonne-toi. Salut. Et puis, à bientôt pour de prochaines missions.